Nous sommes en plein cœur de la ville de Parakou. Il est 21h. Voici le nouveau visage du quartier dépôt et transat vu de nuit, du bitume noir, scintillant sous des lampadaires solaires. Plus de dénivellation, ni de nid de poule. Les lampadaires sont esthétiquement disposés et projettent une lumière vive. Les zones les plus obscures il y a de cela 20 ans sont aujourd'hui éclairées. C'est désormais un délice de circuler librement sur des axes routiers grâce à la magie du projet asphaltage. Vous-même, vous constatez, le quartier a changé, effectivement. Vu le passé, effectivement, on vivait un calvaire, effectivement. Nous-mêmes, on ne pensait pas si on allait vivre ça. On voit ça ailleurs, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Vous voyez, Alphatage, aujourd'hui, l'avant est devenu... On ne pensait même pas que c'est le quartier transat. Le quartier transat a changé de visage. Et nous tous, on est contents d'avoir les lampadaires, le goudron passé dans une vente. Vraiment, tout est coup chapeau, le présent actuel. Alors, c'est difficile de... On ne peut pas tout dire, mais nous-mêmes, on voit déjà la réalité déjà. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il faut voir la lumière du jamais vu. Que le gouvernement actuel, vraiment, on va le féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe président. On a vu les présents succéder, mais ce président, vraiment, il faut qu'on l'encourage. Transat avant, même si on nous dit dans 5 ans que Transat serait comme ça aujourd'hui, franchement parlant, moi, qui suis ici, je veux dire non. Et nous le remercions beaucoup pour ce qui a été fait. Et pour ce qui reste aussi à faire, on voit que vraiment le quartier transat a vraiment connu un grand succès et on le remercie. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire, même tu ne peux même plus essayer de faire petit bisou là dans le noir là. Hein. Donc on va te voir de loin là, on te voit déjà. Et bon, ce qui m'impressionne est que les panneaux solaires d'aujourd'hui, c'est pas les panneaux solaires d'avant. Ce que j'ai eu sur le régime talent, je peux dire que talent n'est pas bon. Mais aujourd'hui, je marche sur quelque chose. Mais si j'allais chercher mes intérêts personnels. Et voir que bon, c'est ma maison qui serait seulement réflexionnée. Ou bien moi, je vais gagner gros pour que ma famille bon, soit à l'aise. Et que bon, je passe dans le noir, je passe dans le trou. Mais qu'est-ce que ça va changer sur moi? Plus loin, nous voici au quartier Zongo et Guémant. Ici aussi, les rues ont subi un toilettage avec un accompagnement de taille. Se promener la nuit à Parakou est actuellement l'une des choses les plus passionnantes à faire. La première phase de l'ingénieux projet de gouvernement de la rupture dans la cité de Kourou tend vers sa fin avec un niveau satisfaisant d'exécution des travaux. Que ce soit les voies bitumées ou les voies pavées, nous sommes aujourd'hui en train d'aménager les faces latérales. Ensuite, au niveau des autres réalisations d'accompagnement de ce projet, vous avez déjà la mise en place de l'éclairage public qui est effective depuis un certain moment. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première phase-là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire aux gens, mais hey, le chef d'État dit qu'il va faire, il l'a fait, et bien fait. Donc c'est là où se situe d'abord nous autres, notre satisfaction au niveau moral. Moralement, nous sommes satisfaits parce que nous avons un chef qui a dit je vais faire et qui a fait. Grâce au gouvernement de Patrice Talon, le projet asphaltage doublé de l'éclairage public change progressivement la configuration des rues de plusieurs quartiers de la ville de Parakou. Ce sont les citoyens qui en bénéficient et s'en réjouissent. La nuit, c'est...